L'acteur et écrivain Jean Pia est décédé. Grand homme de théâtre, mais aussi de cinéma et de télévision, il a fait ses débuts au patronage paroissial de Saint-Ferdinand-des-Ternes dans le 17e arrondissement de Paris en participant à des soirées récréatives. Jean-Pierre rentrera à la Comédie-Française le 1er septembre 1947. Il y deviendra sociétaire 6 ans plus tard, le 1er janvier 1953. Il quittera cette grande institution le 31 décembre 1972, après 25 ans à y jouer de nombreux rôles, comme Cléonte dans Le Bourgeois Gentilhomme, Figaro dans Le Mariage de Figaro, Molière dans L'Impromptu de Versailles, pour n'en citer que quelques-uns. Il sera fait officier de la Légion d'honneur, officier des Arts et des Lettres et Grand Croix dans l'Ordre du Mérite. À la télévision, on le connaîtra notamment pour son interprétation de Robert d'Artois dans l'adaptation des Rois maudits de Maurice Druon. Au cinéma, il prêtera sa voix à Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux et à Scar dans Le Roi Lion. En 2002, il préside la 18e cérémonie des Molières qui récompense le théâtre français. Côté vie privée, il a été marié à la comédienne Françoise Angel, décédée en 2005. Puis de 1975 à 2018, il fut le compagnon de Françoise Dorin, femme de lettres et auteur de pièces de théâtre.